Bonjour, je voulais vous montrer aujourd'hui quelques nouveautés qui viennent d'arriver dans la boutique. Donc deux blocs en 20-20 d'une nouvelle marque qui s'appelle Alchimie de l'art. On a un bloc romantique très shabby et un bloc romantique sur Noël. Donc j'ai juste ouvert les paquets comme ça, mais je ne les ai pas encore regardés. Donc il y a 24 pages en 190 grammes. Ah, ce sont des blocs et vous avez 4 pages de bonus supplémentaires. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors les motifs sont très très jolis. Alors regardez cette page avec casse-noisette. Donc j'ai des dies qui vont arriver en fin de semaine ou début de semaine prochaine sur le casse-noisette, ainsi que d'autres dies superbes pour vos embellissements de Noël. Alors, donc on a à l'arrière, oh c'est tout doux, c'est très très beau, franchement, j'adore, c'est magnifique. Ici, on peut voir un ours brun, il est bien caché, hein. Des fleurs de coton, un chalet, ici un cheval à bascule et des tasses, des fleurs de poinsettia, une porte dans les tons marron-rouge, regardez, c'est assez classique, mais c'est très très joli. Regardez ces carreaux, du tricot, du jersey à carreaux, et ici, oh là là, à Pomerolles, entrepreneur. Alors il y a écrit je suis prêt à remettre immédiatement au... Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il y a écrit, hein, mais c'est en français. On a un chouette fauteuil avec un coussin assez rigolo. J'ai presque le même... J'ai un coussin blanc comme ça, avec des sapins brodés, tout en velours pour Noël. Les lanternes, des points de tricot avec des taches de neige. Oh, c'est très, très joli. Ici, vous avez une tête de reine avec un bonhomme de neige. Et puis, plein de jolis embellissements, des partitions. C'est très, très beau. Un carreau avec des flocons de neige ici. Là, des étiquettes. Alors, toutes plus jolies les unes que les autres. Regardez, vous avez un oiseau ici, un rouge-gorge, dans un joli cadre. Les pages reprises au début de l'album. Ainsi que ce mug en forme de tête de reine. Prêt à déguster le chocolat chaud, des points tricot, et là on est reparti pour la couverture avec donc 4 fois les bonus, hein, vous avez 4 fois les mêmes pages. Alors je le trouve vraiment très très beau. Je l'ai pris uniquement en 20-20 parce que c'est une taille qu'on utilise très facilement. Le romantique shabby. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a des cadres. Très joli cadre. Je le montre un petit peu à l'envers, hein, puisque la couverture, c'est à l'envers. Ça reprend les motifs du papier. Ici, on a... Oups, là, ça vole. C'est pas très pratique, en fait, avec le pied de la caméra. Donc, on a ici de jolies fleurs, des roses, des motifs de tissu, dentelle, l'impression de dentelle, du texte. Ici, un verre d'eau, très pâle, avec du gris. C'est très très joli. Regardez cette page, c'est un cadre carrément. Celui-ci aussi, regardez cette page comme elle est belle. On pourrait ouvrir ici, faire le tour des fleurs et mettre à l'arrière une photo, un portrait par exemple. C'est vraiment très très joli. Celle-ci également. Waouh. Très très, c'est doux, c'est fin, c'est vraiment, c'est très raffiné. Des roses à l'arrière avec toujours de beaux motifs en fond. Très très joli, hein, regardez ça. Pour quelqu'un qui aime les roses. Je suis sûre que vous l'apprécierez plus en vrai que... en vidéo comme ça, regardez comme c'est magnifique. Et pareil, on est reparti encore sur quatre fois les mêmes pages bonus, les mêmes pages. C'est superbe, c'est superbe.
Donc ces petits blocs en ce moment dans la boutique. Noël arrive à grands pas. Je vous ai pris aussi ces dies. Donc vous avez plusieurs éléments pour faire une carte en 3D, donc avec cette boule de Noël, avec les sapins. Donc ça fait 9,5 par 9,5. Donc ça remplit une jolie carte. Donc, voilà, c'est chez Gemini. Pour aller avec l'album aussi Holidays in Snow, l'album que je vous fais en ce moment en tuto, vous avez l'Hélène Poilu de chez Prima Marketing à sortir. Vous avez de chez Prima également des baies, donc avec des petites billes couleur or, vieil or, et un rose pâle. Après, chez Crafter Compagnon, vous avez 60 grelots. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez les couleurs traditionnelles, vert, rouge, argenté, et vous avez également l'or gold, l'or rose. Donc ça, c'est sympa. Il y a trois tailles de grelots, apparemment. Quatre couleurs, les tailles d'un centimètre à 1,4. Voilà, 60 pièces dedans. Là, ça va teinter pour Noël. Ensuite, au niveau des dies de... pas que de Noël, je vous propose ce petit ensemble de chez Scrapping Cottage. Donc vous avez des ours bruns et des petits sapins. C'est pas très grand, regardez, bon, ça fait cette dimension là à peu près 10 cm, mais ça vous permet de faire des petites cartes. Et celle-ci, elle est rigolote parce qu'on dirait Sweetie là, avec son petit bandana, et puis la Santiago. Voilà, ben, si vous avez envie d'offrir une petite carte à quelqu'un qui danse la country, ben voilà, moi je viens de m'inscrire dans une asso depuis la rentrée, je teste la danse country, donc j'ai craqué là-dessus. Ça, je vais faire des petites cartes pour les adhérents, je pense, enfin des petits cadeaux. Vous avez aussi les Sparkles Glamour verts qui sont en promo de chez Stamperia. Je vais arrêter la marque. Donc vous les avez. Vous avez également ce tuto dans les divers tutos, la playlist divers tutos sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Donc c'est des petits embellissements que je vous avais fait faire l'année dernière. Donc dedans il y a des Sparkles, vous voyez, avec un petit reste de papier. Vous avez pour les gels pailletés, donc la marque pareil arrête ses produits, donc j'ai plus que du gris argenté en ce moment. Et sinon dans la marque Cosmic Shimmer, donc j'ai pris le blanc pailleté, donc il est sous ce format là maintenant. Vous avez pour les capsules, vous avez toujours les grands ovales pour faire vos shakers et les rectangulaires de chez Studio Light. Vous avez également les petites rondes capsules de chez My Favorite Things, ainsi que des rondes plus larges de chez Marianne Design. Je vais finir par vous présenter de la dentelle, toujours. Alors celle-ci qui vient de la boutique, de la mercerie Loisirs et Mercerie à Èvres, en Indre-et-Loire, ainsi que cette dernière que je viens de recevoir, qui est blanche et or, très 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 belle. Donc ça vous fait un bel ensemble si vous voulez travailler dans des cartes avec des teintes un petit peu dorées, faire quelque chose de shabby par exemple, ou pas. Eh bien vous avez ça, tout ça en boutique. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée.